Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on va fabriquer un déodorant naturel qui fonctionne vraiment, que j'ai testé plusieurs fois sur plusieurs personnes et qui est vraiment facile à réaliser. Il se fait sous forme de rouleau à billes, comme ceci. Donc ici, j'en ai un en verre de 30 millilitres dans lequel on vient appliquer la bille. Et on peut l'appliquer directement. J'ai déjà testé en spray, mais ça finit par boucher le spray. Notre ingrédient secret pour réaliser ce déodorant-là sera le lait de magnésie qu'on trouve en pharmacie, habituellement utilisé pour antiacide et laxatif. Mais c'est le magnésium à l'intérieur de ce lait de magnésie-là qui va nous permettre d'avoir une action désodorisante, en plus des huiles essentielles qui sont vraiment choisies pour leur vertu désodorisante également. Je veux saluer mon amie Brigitte de chez Potentialisme Mieux-être qui m'a fait connaître cette recette-là. Je ne l'ai pas inventée, mais on va faire une petite twist. Si jamais vous avez un émulsifiant à la maison, aujourd'hui, je vais utiliser le Olivem 300 parce qu'il faut savoir que le lait de magnésie, c'est que des ingrédients à base d'eau. Il y a déjà un conservateur à l'intérieur, fait que ça, c'est parfait, on s'en occupe pas. Par contre, si on n'a pas un émulsifiant, il faudra simplement penser à brasser avant chaque usage, qui est vraiment pas problématique, mais je voulais tester aujourd'hui avec un émulsifiant comme l'Olivem 300. C'est pas un émulsifiant 100% naturel, mais je dois l'utiliser. Il est dans mes bouteilles, mais il y en a d'autres des naturels là. Si jamais vous me posez la question, je pourrais vous en référer d'autres. Il y a trois versions différentes, je vous laisserai les versions dans les notes, mais aujourd'hui, on va faire avec le nouveau mélange chez doTERRA qui s'appelle le mélange Shirin-Yoku, qui est le mélange bain de forêt pour nous ramener dans la forêt. Entre autres, à l'intérieur, il y a plusieurs huiles essentielles boisées, mais aussi certaines qui sont comme par exemple le bois de hinoki, qui est dans la famille des cyprès et qui naturellement va être désodorisant aussi. En plus de ça, l'odeur est absolument divine. Ça nous ramène dans la forêt et c'est quand même vraiment agréable de sentir la forêt. Quand on fait un mélange avec des huiles essentielles, on commence toujours par les huiles essentielles et on va y aller dans notre bouteille de verre. Ça va nous prendre 7 gouttes du mélange Shirin-Yoku. Donc, les 7 gouttes sont là. Ça sent super bon. D'ailleurs, si on sent une huile essentielle à même la bouteille comme ceci, sachez qu'on n'a pas toute l'amplitude de l'odeur, donc déjà là, je vois une différence simplement dans la bouteille comme ceci. Ensuite de ça, on va mettre 3 gouttes de la lavande vraie. Et je vous invite à sentir à chaque fois. Ah, ça sent tellement bon! On va ajouter 3 gouttes de bois de santal d'Hawaï, qui est produit de façon durable. Ce bois de santal-là, ce n'est pas toujours le cas. Si jamais vous voulez aller lire sur le blog mon voyage avec ma famille où on a été contribuer au plus grand projet de reforestation d'Hawaï, c'est vraiment des belles photos. Je vous invite à le découvrir. Ça sent vraiment bon. On continue avec 3 gouttes d'arbre à thé. L'arbre à thé qui est super intéressant pour ses propriétés antibactériennes. Et je voulais juste aller rajouter une petite goutte de citronnelle. C'est vraiment important de ne pas en mettre beaucoup. C'est la petite touche d'aldéhyde, le petit côté citronné qu'on veut. Mais ça peut être irritant pour la peau, donc on met seulement qu'une goutte. On pourrait en mettre plus sans que ce soit irritant pour la peau, mais là, comme j'ai beaucoup d'autres huiles essentielles, la citronnelle, je sais qu'elle a tendance à prendre le dessus. J'ai juste une petite note de citron, c'est ça que j'avais en tête, mais je ne l'ai jamais senti, alors je le sens avec vous. Je brasse, je fais faire connaissance à nos huiles essentielles. À la limite, si je voulais vraiment faire comme une vraie formulatrice, j'attendrais 1 heure pour que toutes les molécules aient fait connaissance pour aller voir ensuite qu'est-ce que ça sent. Wow! C'est vraiment une belle complexité. Ça sent super bon. Donc, ensuite, je vais mettre seulement un 2,5 g de Olivem 300. Là, vous allez voir que c'est comme une demi-cuillère à thé. J'y vais à peu près, je m'en excuse. Donc, ça va aller émulsifier les huiles essentielles dans notre mélange. Et je brasse mon lait de magnésie.
Je l'ajoute en essayant de ne pas faire de dégâts, ce que je réussis pas toujours. C'est sûr que ça irait mieux avec un entonnoir. À ce moment-ci, on veut vraiment remplir jusqu'à l'endroit où la bouteille va rapetisser. Et je teste avec vous, donc on va aller voir si j'ai bien fait ça. On ferme vraiment bien, je ne voudrais pas que ça explose au moment de brasser. Je vais même le fermer pour être sûre. Voilà, ça ressemble à comme un verre de lait, le lait de Malaisie. Et là, je vais aller l'appliquer sur mon avant-bras pour voir si j'aime l'odeur. Ça sent bon. J'ai pas l'odeur finale. Par exemple, je vois que le mélange n'est pas encore fait. Alors, je vais attendre qu'il se fasse et je vais pouvoir le ressentir. Mais sinon, je vous laisse essayer les classiques. On a le classique avec le mélange de géranium, bois de cèdre, non, c'est pas vrai du tout, géranium, baie de genévrier, cyprès, on a aussi arbre à thé à l'intérieur et bois de santal. Sinon, une version un peu plus masculine, c'est qu'on va utiliser le vétiver qui vient d'Haïti avec encore une fois bois baie de genévrier, arbre à thé, bois de santal. Donc, c'est les deux classiques qu'on peut faire. Mais là, j'avais envie de tester quelque chose de nouveau. Je vous en donnerai des nouvelles. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous allez voir toutes les indications en commentaire en dessous. Bye tout le monde! Bonne journée!